Bah moi j'ai toujours pensé que c'était ça, tu vois. Vas-y, prends le chemin. Oh non mon gars. C'est une réserve incendie. Non, elle est là-bas. Ah mais je te jure, là-dedans on peut avoir des belles surprises. Allez, fouille. Ça c'est une fouille, hein. Ah ouais, ça bulle là. Ah ouais, ça c'est une fouille, c'est pas possible. Hein. Mais... Oui, c'est cette route-là, là. Ouais. Oui, c'est bon. Je comprends pas mon gars. On a pêché hyper propre. Non mais je pense que là le vent c'était pas prévu, j'ai regardé la météo hier, il n'y avait pas de vent. Et là c'est insupportable quoi. Je comprends pas. Et je pense qu'il faut qu'on trouve un plan d'eau où il y a plus de frondaison, plus de structure. Peut-être que les poissons sont dedans. Parce que là les berges elles étaient trop propres. Un peu plus à l'abri quoi. Ouais. C'est compliqué. T'as vu là? De quoi? Il y avait un panneau, je crois que c'était une réserve incendie. Attends, fais une marche arrière, il n'y a personne. C'est bon, il n'y a personne. Je crois qu'il y avait un. Attends, tu m'étonnes parce que je les ai toutes faites dans le coin, les réserves incendies. T'as pas. Attends, il n'y a personne. Non, vas-y. Attends. T'as pas vu le panneau? Non, mais elle est privée cette réserve incendie là, je crois. Tiens, regarde, réserve incendie. Oui, mais je crois que c'est le truc privé là, c'est, non? C'est l'étang là? Bah, je pense. Attends, parce qu'il y a un étang là. Bah, moi j'ai toujours pensé que c'était ça, tu vois. Vas-y, prends le chemin. Oh non, mon gars! C'est une réserve incendie. Non, elle est là-bas. Tu sais que ça fait 10 ans que je passe là. Ça fait 10 ans que je passe là. Oui, mais attends, parce que c'est ça ou ça là, Non, mais je l'ai vu le panneau, je l'ai vu, c'est regarde. C'est ce petit truc là. Mais oui, c'est comme sur les vidéos. C'est comme sur mes vidéos. C'est ce petit truc là. Là, celui-là là. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ce truc là. Ah oui, réserve incendie 180 mètres cubes. Et tu sais que j'ai pas arrêté d'en chercher. Ça fait plusieurs semaines que j'en cherche. C'est une blague. Mais tu sais que dans ce genre de truc, t'as 2 mètres de fond. Hein. Ok. Et attends, je regarde un truc. Ils disent que c'est combien? Parce qu'il y a les mètres cubes qui sont indiqués sur les panneaux. 180. Ouais, bah tu vois, c'est la plus petite. C'est la plus petite que j'ai vue. Et ben franchement. Mais elle est toute petite, mais du coup, il y a du fond. Ok. Parce que pour qu'il y ait 180 mètres cubes, là, je pense que t'es sûr qu'il y a du fond là-dedans? Ouais, c'est sûr. Okay. C'est sûr. Vas-y, hein, je suis chaud pour tester. Bah écoute, moi j'ai jamais fait. Toi, tu connais. Ah, mais je te jure, là-dedans, on peut avoir des belles surprises. Bah écoute, je te propose d'aller voir. Ouais, ouais. Vas-y. Je suis carrément chaud. Bah, de toute façon, il nous reste assez de verre. Ouais. Oh, t'as pas vu ça? J'ai cru que ça a bougé. Bon bah c'est parti. J'ouvre. Ouais, vas-y. Allez, let's go. Clac. Là, on est installé. On est installé comme des rois ici. Hein. Oh la fouille! Ça bulle juste devant. Oh la fouille! Regarde. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, ça va être de bien s'appliquer dans notre pêche, de se concentrer. Ouais. Et de voir ce qu'on peut dénicher là-dedans. Là, on est vraiment posé, nickel. Ça, c'est une pêche simple, efficace. Je vais mettre l'épuisette à disposition, parce que des fois que tu nous tapes un broc métré, vu que c'est ta spécialité, le brochet au vert. touche, belle touche. J'ai pris contact avec mon fil. C'est dessus, là, non? Oh, loupé. Ouais, c'était dessus, non? Une grosse touche. Grosse frappe là-bas. T'as mis un sacré verre toi. À côté de la racine là-bas. Oh parfait. J'ai tendu mon fil. Bam. Mais ça avait pas l'air non plus énorme. C'est des touches franches, mais je pense que c'est des petits gardons. Ouais. Ah oui. Oh la touche direct. Toi. Mais c'est en limite en animant. C'est incroyable. Elle a tombé. Tiens, il va bouffer la moitié du verre. Oh putain. Grosse touche. Bah ça partait. Ma canne elle était partie. What? Complètement coupé. Oh la vache. Mais ma canne elle est partie à l'eau. Oh j'ai pas vu. Elle est partie à l'eau ma canne. Elle était en train de tomber. Elle était comme ça. Elle a fait ça. Elle est tombée à l'eau. Oula. Bon bah j'ai mis un lombric de 30 cm hein. J'ai mis un lombric comme ça. J'ai mis le plus gros lombric de la boîte. Oh bah alors là. Là. Bon bah je vais remettre un verre. C'est n'importe quoi. Vas-y. Incroyable. Incroyable, deux touches en 30 secondes là, ça sent très très bon. Hein. Oh bah là, t'as, là t'as une belle touche là. Oui. Il y a anguille sur roche. Ouais, regarde. Ouais, là le poisson est dessus là.
Ça doit pas être très gros. Non, ça c'est quand ça met des petites tapes comme ça. C'est pas gros ou c'est vraiment en train de goûter, tu vois. Et je sais pas, mais c'est là, c'est peut-être là-dedans que je me suis senti en fait. Il y a un homme très demandé. Ah oui. Ah oui. Oh. Bah oui. Oh. Constant. Constant, c'est pas mal. C'est un carpo. Un carassin. Oh, c'est énorme. Ah si, par la bouche, par la bouche. Ah ouais. Elle a mordu. Oh, y a des cartes. Dit qu'il y avait des cartes. C'est parti d'un coup. Yes. Mais elle est bizarre. C'est un carassin. Il est... Oui, c'est pas une carte. C'est un gros carassin. Il est énorme. Ouais, t'as une épuisette. Une épuisette. Ouais, j'ai une épuisette, je vais chercher ça. Il est énorme. Quoi? Oh, bien joué mon gars, il y a des carassins. Check. Oh la vache. Incroyable. Mais je viens de déposer, j'ai juste lancé. Gros départ. Oh la vache. T'avais dit que ça fouillait, hein. Je te l'avais dit. Vas-y, je vais chercher une épuisette. Ouais. Ouais. Voilà, on va le mettre dans l'eau. Génial. Il est magnifique. Il est énorme. Il est portant. Bah, c'est mon record carassin. Hein. Il est bien portant. T'inquiète pas que lui, il est pas tout seul, ça grouille au cou. C'est sûrement ça que j'ai tapé. C'est mon record carassin, mec. Tu sais que c'est sûrement ça que j'ai tapé. Bah, peut-être pas lui. Ouais. Mais c'est sûrement un carassin que oui, j'ai tapé. Par contre, ouais, la touche que t'as eu tout à l'heure. Ouais. Du coup, oh la vache. Bah tu vois, et si alors, ça se trouve, on n'est pas au bout de notre surprise. Si ça se trouve, il y a même de la carpe. Je m'attendais pas à taper un poisson. Et il est bizarre la tête, j'ai jamais vu un... Bah ok, ouais, c'est un carassin. Ouais, j'en ai pêché très très peu dans ma vie, donc... C'est un carassin, mais il est magnifique. Il est magnifique. Il est super beau, hein. Il est vraiment très, très beau. Il est vraiment magnifique, il est bien portant, bien doré. Oh la vache, juste sous les branches là-bas. Ah ouais, où je suis, hein. Le premier en face, et l'autre à droite là-bas. Ils sont en face, quoi. Ils se baladent sur la berge. Bah, sur la berge creusée là-bas. C'est marrant qu'il rentre en aliment. Oh! Oh, poisson! Mais non! Si! Poisson? Ouais! Oh! Oh oui! Oh oui! Mais j'ai pas eu de touche! Oh le carassin! Mais c'est pourri de carassin en fait! C'est rempli de carassin, mec! De sortie. Oh. Encore un carassin! Oh, j'ai fait mon poisson. Oh yes. Oh, on va pas détrôner le roi des réservoirs sondés quand même, hein. Oh, il est fat celui-là, hein. Ouais. Sous la pluie. Oh la vache. Ouais, celui-là il est fat, hein. Je pense qu'on peut tomber sur des plus gros, hein. Oh la vache. Et on continue jusqu'à la tombée de la nuit, hein. Oh, le truc de fou. Mec, c'est blindé, hein. J'étais sûr qu'ils étaient pas tout seuls. Ça pouvait pas... T'as une touche au début en fait. Bah j'ai eu une touche au début, mais j'étais pas sûr. C'était tout petit. Et j'ai l'impression que c'était une touche à retour en fait. Regardez-moi encore. Waouh, la puissance de ce poisson. Piqué juste au bord. Regardez. Regardez ce beau carassin. Là, ça cause là. Là, on a un beau carassin. On va le relâcher puis on va voir si on peut toucher encore un plus gros. Les conditions sont dures. Là, il fait froid et il pleut. Mais les poissons sont là. Ça fait plaisir. Allez mon beau. Waouh, super. Yes. Hein. Oh là. Oh là, non, ça ravale là. Non, ça ravale. Ça ravale. Si. Ouais. Oui. What? Carassin, celui-là il est gros, hein. Attends, tu veux que je te l'assure? Attends, je vais... Laisse dans l'eau, je vais chercher l'épuisette. Laisse combattre. Il va falloir que je change de verre, mon verre il fonctionne pas. Attends, j'arrive. Il y avait bien un gros départ. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Oui. Il y a bien plusieurs carassins là-dedans. C'est sûr, j'avais un doute si t'avais pas pris le même. Bien joué à toi. À partir de 17h30. Ouais, c'est ça, c'est... C'est l'heure des carassins. C'est l'heure des carassins. Et celui-là, il est fatos, hein. Et encore sur la berge là-bas. Purée. Celui-là, il est fatos, hein. Ça m'étonnerait que ça soit celui que t'as pris tout à l'heure, parce que c'est pas possible, ça, quand même. Non, on l'a pas fait, celui-là. Celui-là, on l'a pas fait. Non, il y a... Aucun des carassins n'avait une dorsale cicatrisée comme ça. Les carassins sont de sortie, constant. Ouais. Et ben... Ouais, je l'ai bien remis, c'est bon. Juste en face, là. Mec, on a vu que c'est ouais. Plus loin. On a vu que ça partait, hein. Moi j'avais vu ton fil. Ouais. Nickel, voilà. Il a pris
pareil, dès la tombée. Mais en fait, j'avais vu mon fil au début, dès la tombée. Ah, ça part, ça part. Ça part ? Ouais. Je pense que les changements de conditions à la journée n'ont pas aidé la pêche. Hein. Soleil, nuages, pluie. Allez, fouille. Ça, c'est une fouille. Hein. Ah ouais, ça bulle là. Ah ouais, ça, c'est une fouille, c'est pas possible. Hein. Mais C'est là-bas que j'ai pris les premières touches. Et c'est là-bas qu'il y a la petite source qui alimente le petit étang. Donc. Énorme, énorme. Carassin. Je pense que c'est un carassin. Oui. Oh, le départ qu'il m'a mis. Incroyable. À peine posé. À peine posé. J'en reviens pas. J'en reviens pas. À peine posé, il m'a pris. Yes. Regardez ça. Mais incroyable. 17h30. Je commençais un peu à désespérer. Pas trop de touches, que des petits poissons. Et là, il a pris directement aussi. Et voilà, regardez ce qu'on a fait dans la réserve incendie. Un superbe carassin. Alors, dites-moi votre avis en commentaire si c'est vraiment un carassin, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit croisement avec une carpe. Je pêche pas souvent ce genre de poisson, mais j'aimerais bien que vous me donniez votre avis en commentaire pour savoir exactement ce que ça peut être. En tout cas, un magnifique poisson. Après tant de touches ratées avec Constantin, ça fait plaisir. Bon, ça y est, mesdames et messieurs, ce format réserve incendie, le premier de ma chaîne d'ailleurs, est maintenant terminé. Je vous laisse aller découvrir le dernier format de Constantin. Il a fait aussi une vidéo de son côté dans une autre réserve incendie qui est sortie il y a quelques jours sur sa chaîne. Puis nous, on se dit à bientôt. Allez, ciao. Ciao.